Et bonjour à tous, très chers collectionneurs de Pokémon, de cartes Pokémon, collectionneurs de jeux vidéo, enfin voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour la sortie officielle d'une édition qui me tient tout particulièrement à cœur. C'est rare que je sois à fond dans les cartes, hein, c'est même très rare. Si je m'étais bien mis ici, je me suis mis à fond sur les Stars Étincelantes. Astre Radieux, totalement passé à côté. Mais aujourd'hui, c'est le grand jour les gars, pour la sortie officielle des packs Noix de Coco de la série Pokémon Go. Donc, eh ben, on va se faire ce petit tirage ensemble. Là, c'est assez rare que j'ouvre, que je fasse des ouvertures sur la chaîne. En général, je le fais plutôt de mon côté. Voilà, je sais pas que j'aime pas trop partager ce genre de choses, mais voilà, c'est pas une chaîne à la base orientée là-dessus. Mais là, je voulais vraiment partager avec vous l'ouverture de bah, ce petit coffret. Donc, bah, on espère quand même que le tirage va être bon. À savoir que dedans, on a quand même un petit Dracaufeu Shiny à looter, un petit Mewtwo Alternate qui est quand même relativement stylé. Bon, entre nous, je préférerais choper plus un Shiny, tu vois, un petit Dracaufeu Shiny, Turtank Shiny, surtout Turtank, il faut pour moi, Turtank, c'est voilà la base. Mais plus que l'Alternate, mais voilà, je suis quand même très content si je chope le Mewtwo. Donc on va croiser les doigts. À savoir que, alors j'ai vu que certains l'ont récupéré, alors je crois que c'était Namso, le premier que j'ai regardé, qui l'avait récupéré à Carrefour, si je dis pas de conneries. Ouais, je crois qu'il avait un contact à Carrefour qu'il avait pu lui filer. J'ai vu que certains ont chopé à King Joy, et puis moi c'est à Micromania que j'ai pu en choper, et il y en avait une chier. Puis de toute façon, je crois que vous précipitez pas trop parce qu'il va y avoir beaucoup de stock sur cette version. Donc voilà. Donc les gars, on attaque le petit tirage tout de suite. Et bah allez, et bah c'est parti pour bah, l'ouverture du coffret. Alors je vais essayer de dézoomer peut-être un peu. Je suis déjà à fond, d'accord. Ok. Bon, on va faire comme ça, tant pis. Hein. Voilà. Bon, vous m'excuserez, je donnerai pas les codes, hein, parce que moi, les codes, bah, je les utilise, car je joue à Pokémon Go aussi. Voilà. Donc, nous avons le coffret. Alors, on va y ouvrir comme ça. Voilà. Avec... Hop là. Donc, nous avons... la petite carte promo Noix de Coco. Hop, on va mettre ça comme ça pour l'instant. Nous avons également là ça, je pense que c'est les codes Pokémon Go. Yes, donc ça je vais les mettre de côté. Nous avons donc là Jumbo, je sais plus comment ça s'appelle, Jumbo. Je suis pas un pro, moi je suis plus à l'ancienne, hein, donc c'est vrai que les ça me connaît plus les anciennes cartes. Et puis nous avons surtout ce qui nous intéresse. Ouh putain, je suis pas dans celui-là, je sens qu'il y a un Dracaufeu Shiny. Hop là. Bon bah au moins, ce qui est bien, c'est que c'est le même... ils ont tous la même gueule, au moins comme ça, ça évite de s'emmerder. Et voilà. Et bah allez, on va attaquer par et bah, celui-ci. Je me suis muni de mon meilleur ciseau. Hop. Nous avons donc énergie, Solarock, moduleur, petit reptincelle, S-insigne. Il me semble que dans cette édition, on a forcément une holo, cap humain, Bulbizarre, Poichijon, Magikarp, Meltan, Ronflex. En reverse, et attention, et oh putain, dur, Sarmuraille, je déteste. Bon, dur,
Tac. Allez, c'est parti. Bon, cette fois, je vais les ouvrir un peu comme j'ouvre les autres parce qu'on va pas se faire chier avec les ciseaux. Voilà. Tac. Voilà. Ah. Ok, je savais pas qu'on pouvait avoir des V-Star dans ces genres de boosters. Voilà, première nouvelle. Donc nous avons Migalos, Captain d'équipe blanche, Steelix, ça c'est du beau ça, je kiffe ce Pokémon. Pikachu, Carapuce, Castorno, bordel, qu'il est dégueu. Rattata d'Alola, Chamallow, est-ce que c'est pas ceux-là qui ont... Je sais pas comment on fait pour savoir s'ils ont un... Parce qu'il me semble qu'il y en a des Chamallows où on peut avoir un métamorphe. Flagados. Oh. Et Melmetal V. Super belle carte. Donc on commence avec une belle ultra. Enfin on commence. Deuxième booster, une ultra. Donc plutôt content déjà. On va dire qu'on attaque plutôt cool. Allez. Donc super content déjà. Une petite ultra. Je préfère un petit Draco mais bon. Ensuite, il nous en reste deux. On va tout de suite mettre... Bon, je le mettrai après, c'est pas grave. Allez. Je fais le mec qui pèse un peu les boosters à la main. Allez. Le Vénard. Capitaine d'équipe Spark. Migalos. Encore un Chamallow. Ratatak d'Alola. Colombo. Ombrilex, que je kiffe. Natu. Sarmurai, tiens donc, on le retrouve, mais cette fois en reverse. Et cette fois... Oh, très sympa. Bon, c'est pas une très rare, mais franchement, Tyranocif, je kiffe de ouf ce Pokémon. Donc, plutôt content. Franchement, plutôt content. Bon, j'aurais préféré un Draco quand même. Même si c'est un Draco juste holo, ça aurait été quand même cool, mais bon. Après, c'est que le premier pack, et il y en aura très certainement d'autres. Et allez, le dernier booster pour finir ce petit pack. Oh putain, je les ai vraiment tous ouverts comme des sagouins. Tu vois, on voit un peu la dextérité du mec qui ouvre des boosters tout le temps. Hein. Je me suis spoil. Super bonbon. Camerupt. Incubateur d'œuf. Castorno. Meltan. Magikarp. Capumain. Salamèche. Il me semble que je me suis un peu spoil. Mimigal en reverse. Bon, la dernière du set, les gars. Enfin, la dernière de ce pack. Oh, Monaflémide V. Bon. Bon, c'est quand même sympa. Une petite V. Ça reste relativement cool. Oh, les gars, petit détail que j'avais pas fait attention. Je vois qu'elle signe métamorphe. What the fuck? Et c'est un métamorphe sous la carte. J'avais pas du tout fait attention. Et voilà, bah, tu vois, je me posais la question, comment on fait pour l'avoir? Et bah ok, c'est ok, d'accord. Donc voilà, il y a un métamorphe en plus dans le lot. Donc bah voilà, on va dire les grosses cartes de ce tirage-là.
On a le Melmetal V, le Monaflemid V, ainsi que bah, le Tyranocif et puis l'autre. Bon, après le Tyranocif, c'est vraiment carte de plus de cœur qu'autre chose. Mais quand même assez content de ce tirage, on va dire, c'est quand même plutôt sympa. J'aurais préféré avoir un petit Dracaufeu, mais bon, ça reste relativement cool. Donc voilà. Donc en espérant que ce petit tirage vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces bleus les gars. Ciao les mecs.